Bonjour, voici maintenant la voix de basse de mon harmonisation à trois pupitres des anges dans nos campagnes de 2017. Harmonisation superposable avec celle accompagnée par deux violons que j'ai écrite en 2018. Ce sont Christophe et Jean-Baptiste qui la chantent sur les couplets et Christophe et Aurélien qui la chantent sur les refrains. L'avant-dernière note peut être soit un do, soit un mi. L'idéal, c'est que certains de vos choristes chantent le do et d'autres le mi. Si ce n'est pas possible, privilégiez le Do si vous êtes a cappella, car elle est la fondamentale de cet accord de Do septième. En revanche, si vous êtes accompagné par un clavier, un orgue ou une guitare, vous pouvez tout à fait choisir de faire chanter le Mi au choriste, car l'instrument jouera alors le Do grave. Mes conseils sur les Gloria sont les mêmes que pour les deux autres pupitres. Faire respirer vos choristes à des endroits différents. Leur faire marquer les respirations sur la partition, afin que l'ensemble paraisse être chanté d'une seule traite. Et toujours, je conseille un intermède instrumental ou une petite pause après chaque refrain, afin que chacun puisse reprendre suffisamment son souffle avant d'attaquer le couplet suivant. Je fais mes excuses au ténor. Cette voix descend au refrain jusqu'au sol dans les graves, notes qu'ils ne peuvent pas atteindre. Il faudra que je réfléchisse à créer aussi un arrangement de ce chant à quatre pupitres, soprano, alto, ténor et basse, qui soit basé sur la même grille d'accords et donc superposable avec les deux parties de violon que j'ai écrites en 2018. En effet, mon gros souci avec ce chant pendant plusieurs années, que j'ai été à l'accompagnement ou au chant, ça a été le choix de la grille d'accords. Mais je suppose que ce n'est pas votre problème, cher choriste homme, et que vous attendez plutôt que commence la musique. Alors la voici. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête? Quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cœurs triomphants? Du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chante en ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Cherchons tous l'heureux village qu'il a vu naître sous ses toits. Offrons-lui le tendre hommage et de nos cœurs et de nos voix. Gloria in excelsis Deo. Berger, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs.
Gloria in excelsis Deo. Vous pouvez télécharger gratuitement la partition en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et retrouver tous les fichiers sur le site chantdeglise.fr, rubrique Noël.